en a mouillé le maillot passe en mode handisport cette semaine pour s'essayer au foot fauteuil, une discipline venue du monde scolaire pour permettre à de jeunes passionnés de pouvoir pratiquer le football. Le DFCO a créé son équipe en 2013. On va voir avec eux ce que ça donne. Bonjour Florian. Alors c'est ça les fauteuils ? C'est cela les fauteuils, voilà. C'est le seul sport où on a des fauteuils électriques, où les personnes en situation de handicap lourd peuvent pratiquer un sport justement. Donc avec une grille en plus devant ? On a un pare-choc devant, voilà, pour frapper le ballon et puis pour pouvoir le contrôler. La ceinture c'est important parce que ça va vite ? Bah, ça peut aller jusqu'à 10 km/h. 10 km/h. Donc forcément, avec les à-coups, ça peut projeter du fauteuil. Le fauteuil, il va accélérer en fonction de comment tu pousses la manette. C'est-à-dire que si tu pousses doucement la manette, il va avancer progressivement. Mais si tu pousses à fond, il va partir comme une balle. On va y aller tout doucement, alors. Ah oui, ça va vite, c'est clair. Purée. Oh la vache. C'est normal qu'il se cabre. Les gars, vous venez, on va débuter. Bon, je m'annule à peu près. Le fauteuil en vitesse 2, là. On va passer après les lignes droites en slalom. Voilà. Allez, doucement, doucement. Prends ton temps, c'est pas la course. Ok, super. Impeccable. Allez, Nourdine. Je vais un peu aller vite. Allez, le bleu. Ah, presque, dommage. L'orientation déjà, était pas mal. J'ai touché le ballon, là. Ça vient, ça vient. On prend confiance un petit peu, là. On va terminer sur du 3 contre 3. Donc les rouges, vous vous mettez ici, les jaunes là-bas. Un gardien, deux sur le terrain. Séance, c'était pas trop mal. Ouais, on trouve le jeu, hein, franchement. Au bout d'un moment, t'as pris tes marques. Ouais. C'est ça le plus dur. C'est au niveau de la manipulation du fauteuil, mais tu t'en es très bien sorti. Et au niveau de tes sensations. Franchement, on se prend très vite au jeu, on a l'impression de retrouver le football, ouais. Ouais. Hein, les jeux de passe, le contrôle du ballon, même dans les cages, je me suis retrouvé dans les cages au foot, quoi. C'est ça. C'est le but, c'est de leur permettre de se retrouver dans ce sport qu'ils aiment tous, mais qu'ils peuvent pas forcément pratiquer comme tout le monde. La petite photo d'équipe, traditionnelle au foot. Thank you.